Fabien, pourquoi cette saga ? Cette saga, c'est un vieux rêve de jeunesse, bercé de lectures, d'aventures, de récits maritimes. La volonté de narrer une période empreinte de soubresauts politiques, économiques, sociétaux. Et puis cette marine d'État, qui est au sommet de son art au lendemain de la guerre d'indépendance américaine et qui va lentement péricliter tout du long de la Révolution. Nous sommes là, Fabien, dans ton bureau. Alors on est ici effectivement à bord de mon bureau itinérant, de mon bureau flottant, qui est aussi ma maison, mon univers, notre univers de vie. Environnement on ne peut plus propice à l'évasion de l'âme et de l'imaginaire. Quelle est la part de romance et de véracité historique ? La véracité historique, elle est présente à chaque instant, elle est de tous les chapitres, elle est de tous les instants. En soi, elle est extrêmement riche. Pour autant, la romance vient agrémenter ce récit, ces aventures. On est sur une ligne de crête qui tente à embarquer le néophyte et à contenter ce que moi j'appelle les gardiens du temple, les érudits, les férus d'histoire, les passionnés de marine à voile. Donc c'est un savant mélange entre ces deux formules qui vont évoluer au gré des opus. On va retrouver sur la bataille de Trafalgar précisément peut-être davantage de véracité historique qu'il n'y a de romance. En quoi ce tome 5 est-il historiquement particulier ? Ce cinquième opus est particulier en ce sens où c'est à la bataille de Trafalgar que vont se jouer les décennies suivantes, voire le siècle et demi suivant. C'est à la bataille de Trafalgar que les Anglais acquièrent la maîtrise des mers et donc du monde. Que dirait le marin d'aujourd'hui au marin d'hier ? Je dirais au marin d'hier, respect. Respect parce que ces gens-là ont combattu, nos aïeuls ont combattu systématiquement en position, en situation d'infériorité, infériorité numérique, infériorité logistique, infériorité organisationnelle, et jamais, jamais ils n'ont démérité. Fabien, un tome 5, oui, mais il y a forcément un tome 6 en gestation qui va arriver. Cette saga, je l'ai imaginée dès le début en 10 opus, le 10e se déroulant à la fin de cette épopée impériale, lors des 100 jours. Donc 5 autres opus sont effectivement à venir.